C'est une tradition qui a la peau dure. Tous les 4 ans, les candidats à l'investiture de leur parti pour la présidentielle américaine viennent s'inscrire dans ce bureau du Parlement du New Hampshire. Le petit État de Nouvelle-Angleterre organise les premières primaires dans un processus qui dure ensuite plusieurs mois à travers le reste du pays. Parmi les premiers à faire le pèlerinage, le milliardaire Donald Trump, encore moins tendre que d'habitude avec ses adversaires, maintenant qu'il est en baisse dans les sondages. Marco Rubio has a disaster. Les finances de Marco Rubio sont catastrophiques. Ses cartes de crédit sont un désastre. Regardez de près ses finances et regardez bien ce qu'il a fait avec l'argent du Parti républicain. Marco Rubio est justement lui aussi venu s'inscrire au lendemain du passage de Trump, tout comme Ben Carson et Jeb Bush. Sur le terrain, les candidats construisent des réseaux solides. Ses supporters sont pendus au téléphone pour convaincre les troupes de venir en force lorsque Hillary Clinton fera elle aussi son inscription. Une mobilisation indispensable pour remporter le New Hampshire et partir sur les chapeaux de roue. Si on a un revers dans le New Hampshire ou dans l'Iowa, ou un des autres États qui votent en début de campagne, alors on risque de briser notre élan. Et on ne veut pas que ça arrive pour Hillary. C'est serré en ce moment entre Hillary et Bernie Sanders, donc c'est important qu'Hillary gagne ici. On ne veut pas que sa campagne soit ralentie par une défaite. Depuis 1976, Bill Gardner enregistre les candidatures des prétendants à la Maison-Blanche. Et si certains critiquent l'importance démesurée du New Hampshire dans le processus des primaires, ce fonctionnaire rappelle que le résultat permet surtout de faire un premier tri parmi les candidats. Généralement, ce qui se passe ici n'est qu'un début. Ça permet de réduire le nombre de candidats. On en élimine quelques-uns. Même si c'est un bon départ, gagner le New Hampshire ne veut pas forcément dire remporter l'investiture de son parti. En 2008, Hillary Clinton avait battu ici Barack Obama, avant de s'incliner plusieurs mois plus tard, au terme d'une féroce bataille.